Et mais voilà, malheureusement, j'ai eu une blessure, puis une autre. Et voilà, maintenant, ça m'a pris 1 an et demi pour me récupérer. Et voilà, là, c'est mon sixième tournoi. Et alhamdoulilah pour le niveau que j'ai atteint en quelques tournois. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça dans le niveau, tout ça. Mais bon, après beaucoup de choses, c'est clair qu'il n'y a pas. La blessure, ça fait, même si c'est injuste des fois et c'est dur à digérer, mais ça fait partie du sport. Le corps est à 100% tous les jours, donc ça en fait partie. Il faut accepter, il faut tourner la page. لمين في دوري تونس المفتوح 2012 قدم مردود طيب لكنه انسحب قبل بلوغ الدور الربع النهائي. C'est en même temps décevant, en même temps c'est une bonne chose. Donc, mais les choses sont passées un peu vite, donc j'ai pas eu beaucoup de temps de réfléchir. Mais bon, franchement, je suis content malgré la défaite. C'est dommage parce que je serais passé en quart de finale et plus j'aurais eu un match moins dur, on va dire, sur papier. Et plus de confiance, tout ça. Et c'est toujours les deux premiers matchs où le tournoi peut changer, où on peut enlever une tête de série du tableau. Et voilà. لمين يبلغ من العمر 27 سنة متزوج بمغربية ولعب إلى حد الآن بالألوان الجزائرية وصرح أنه ما لقى حتى دعم من الجامعة في الجزائر وعلى المسؤولين في بلاده ثائر. Ça fait plus de 7 ans que ni la fédération algérienne ni le ministère m'ont aidé. Et j'ai plus de sponsors en Algérie depuis 5 ans. C'est comme ça, c'est dommage. Et je ne pense pas que ça va changer parce que ça a duré trop longtemps. Et voilà. Et si ça a été pendant 2 ou 3 ans, mais là ça fait plus de 7 ans. Et c'est un peu compliqué que ça change. Voilà. Comme tout le monde sait que je suis marié à une Marocaine, ben je vais avoir j'attends la nationalité marocaine bientôt. Et peut-être représenter le Maroc. Ce n'est pas que j'aime pas mon pays, ou je préfère l'Algérie au Maroc, ou le Maroc à l'Algérie. Aujourd'hui, je me sens des deux pleinement. Mais bon, j'aurai le choix de jouer pour l'un des deux, et je pense que ça sera le Maroc vu les moyens qu'ils ont et l'importance qu'ils donnent au sport, au tennis et comment ils respectent un joueur. Parce que malheureusement, en Algérie, il n'y a que ça que pour le foot. نتمنوا أن لامين وهاب يكون أحسن الاختيار ويبقى عالميا في صف الكبار لأنه بالمراتب الأولى جدير وهو من أحسن اللاعبين في المغرب الكبير.